Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que en termes de résultats nets, c'est relutif dès la première année et que cette première année, évidemment, sera à surveiller d'un point de vue endettement, puisque ce sera l'année la plus chargée en termes de dépenses. En revanche, derrière, on a un deleveraging qui est extrêmement rapide, ce qui va nous permettre de retrouver très rapidement des possibilités d'investissement de nouveau et de nous relancer dans la course. Elle est positive. On a des loueurs qui sont dans l'investissement, dans des perspectives d'anticipation qui sont bonnes pour les années qui viennent, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe du Nord, que ce soit en Australie, même en Europe du Sud, où il y a une reprise, on part de très bas, mais une reprise qui se confirme donc sur la péninsule ibérique ou sur l'Italie. Donc hors de France, on a un message positif, message qu'on a reçu d'ailleurs à Intermat, où nous avions un stand, où c'est un salon où des loueurs du monde entier viennent, et on a eu un retour très positif. À la fois de notre positionnement produit, de notre positionnement service, un retour positif sur le lancement de la nouvelle nacelle 12 mètres que nous avons lancée à Intermat, et des loueurs qui investissent, qui commandent hors France. Ah non, il n'y a aucun risque sur la distribution de dividendes. Nous avons envoyé un message clair à la fin 2014 et nous avons toutes les raisons de le confirmer. Donc, tout sauf événements extérieurs imprévisibles et indépendants de notre volonté, le dividende versé l'an dernier sera reconduit. Nous y travaillons. Une nouvelle fois, il faut laisser le temps au temps. Nous venons de finaliser deux acquisitions avec de belles intégrations très réussies, mais qui continuent, bien évidemment, entre Cyplusen et Plastibel. Nous continuons de travailler. Notre volonté, dans le cadre du plan Ambition 2020, c'est bien évidemment d'optimiser le mix de croissance organique et de croissance externe. Donc les équipes et moi-même continuons et j'espère que nous serons en mesure de pouvoir annoncer des choses dans les prochains mois.